C'est mon cas, oui. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, mes salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Nous sommes ici au musée Africa Museum à Bergendal en Hollande, aux Pays-Bas, Néerlande. Ce musée a été créé vers les années 1950. L'ensemble des pièces et des œuvres qui se trouvent ici, c'est des œuvres qui ont été pillées. Pillées en Afrique sous la colonisation. Pillées en Afrique sous l'esclavage. Et la spécificité de ces œuvres, vous aurez remarqué, c'était au moment où l'Afrique était évangélisée. Donc au moment où on évangélisait l'Afrique, il fallait enlever ce qui constituait la foi des Africains. Les Hollandais et les Portugais furent les premiers à venir détruire notre mère patrie, l'Afrique. Tarir la source d'inspiration de nos artisans et de nos artistes. Et après, ils ont déroulé les tapis et facilité la tâche aux Français, aux Belges, aux Britanniques, Américains et consorts qui ne sont venus que se servir. Mais les Hollandais et les Portugais ont été à la base. Et lorsque même cette source d'inspiration a été tarie, la conséquence immédiate, vous avez vu, les textiles africains qui, comme nos œuvres d'art, proviennent dans l'ensemble du monde végétal, c'est-à-dire bois, dans la forêt, plantes et feuilles. Et en faisant cela, ils ont tari justement la source, cette source de notre inspiration. Et la conséquence, c'est l'industrie textile africaine qui est tombée. Cette industrie textile africaine qui aurait pu nous permettre à nous d'avoir justement, cette industrie textile aurait pu nous permettre justement d'avoir une industrie textile nous permettant de gagner symboliquement beaucoup en économie. Cette industrie textile qui justement a été détruite. Et une fois détruite, il s'est fait qu'on nous a amené les wax hollandais et les wax anglais. Nous sommes ici dans le royaume Congo. Dans le royaume Congo, principalement chez les Woyu. Je rappelle que le père J.B. Van Konenbourg, c'est lui qui, quand j'ouvre l'action, c'est là où tu fais. Le père J.B. Van Konenbourg, qui, à un moment donné, a propulsé cette œuvre. Et on a appelé ce musée le musée des missions. Pourquoi le musée des missions? Parce que justement, l'Église catholique avait sa mission. Sa mission était de détruire l'homme africain vrai, était de détruire la femme africaine vraie, était de nous détruire, de toucher l'âme de l'Africain. Et justement, chez les Woyou, on fait souvent la confusion entre la spiritualité africaine et la religion africaine. La spiritualité africaine, c'était ses liens avec tous les êtres existants de la création. Les génies, les morts, tout ce que l'on veut. Toutes les entités existantes, parce que les hommes ne sont pas les sept entités ou les sept êtres vivants existants. Alors la spiritualité africaine fait ses liens. Mais la religion africaine, c'est le lien intrinsèque qui unit une communauté, un peuple, une tribu, une nation autour d'une divinité. Et cette divinité, comme l'homme africain savait créer à son image, était représentée justement par ces forces-là. Alors mes chers amis, les Woyo dans l'espace Congo étaient ceux qui gardaient notamment le pouvoir temporel et spirituel. Ceux qui détenaient aussi le secret de la religion africaine. En détruisant justement la spiritualité et la religion africaine, on nous a empêchés
d'être nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes devenus, si vous voulez, les vassaux de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout le peuple de la terre, de toutes les entreprises. Justement, ce n'est pas parce que nous sommes faibles, parce que nous ne voulons plus être nous-mêmes. Nous ne voulons plus être ce que nous devons être. Et pourquoi? Parce que justement, là où résidait notre foi, notre âme, ces reposoirs ont été détruits. Détruits parce qu'ils ont voulu nous imposer une religion. Parce qu'ils ont voulu nous imposer une identité. Et je viens aujourd'hui, au nom de toute cette Afrique humiliée, de toute cette Afrique brisée, répondre à ce qui nous appartient. Parce que justement, il faut comprendre que dans notre philosophie des choses et dans notre perception des choses, c'est qu'il y a une vérité indestructible. Nous ne demandons jamais au voleur la permission de récupérer ce qu'il a volé et ce qu'il a pris. Raison pourquoi nous sommes venus récupérer. Là, mes chers amis, je suis venu récupérer, nous sommes venus récupérer l'âme vraie de l'Afrique. Notre âme à nous. Cette âme qui nous permettra justement d'être nous-mêmes, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous allons nous retrouver, mais d'être nous-mêmes. Parce que la venue des Portugais et des Hollandais a détruit cette source d'inspiration, détruit notre industrie textile, détruit notre religion, détruit notre identité, nos valeurs sociétales, détruit tout. Et vous savez dans quelles conditions? Les viols, le massacre, les humiliations, les brimades. Alors les receleurs, le prévaricateur, le voleur, il faut l'arrêter. Preuve à l'appui avec ce qu'il a volé. Donc, chers compatriotes, selon cette même pensée que je vous disais, nos ancêtres sont venus d'une autre planète, Kakongo. Là où sont venus tout le noir, la race noire, j'ai dit bien l'ancêtre de la race noire, est venu d'une autre planète. Et nos ancêtres avaient pris soin de matérialiser cela, de matérialiser cette venue et de matérialiser comment il est descendu. Ils furent le premier à faire bouger, à faire marcher les engins à quatre pieds ou à quatre pattes. Ce qui, après, donnera aussi l'avion qui roule, qui donnera la voiture qui roule, qui donnera. On avait déjà commencé ça. Et je suis venu récupérer ces symboles de notre religion. Récupérer l'âme vraie de l'Afrique. L'âme qui a été détruite. Parce que le Congo, et particulièrement ce qu'on appelait le Woyo, étaient les gardiens vrais de cette spiritualité, de cette religion, de cette âme vraie, sous la conduite du grand ancêtre Nanumbalo à qui est venu et qui est descendu, justement. Qui est descendu à travers cet objet que l'on voit, qui représente le char de feu qui a vu descendre nos ancêtres. Il est descendu par ces chars de feu. Ces chars de feu par lesquels il est descendu, ça c'est la source de nos origines. C'est la source de notre provenance. Nous connaissons à travers ça d'où nous venons et pourquoi nous sommes venus. C'est la source de là où nous sommes venus. Et ça a été représenté avec ces chars de feu à travers lesquels nous sommes descendus sur la terre. Parce que ça, c'est le symbole par excellence, non seulement de la spiritualité, qui fait le lien entre nous et les autres univers, les autres planètes et les autres êtres, mais aussi de la religion, d'où nous focalisons notre croyance en tant que communauté, en tant que peuple, en tant que race, en tant qu'individu, autour d'une divinité, d'une force et d'un ancêtre éponyme, qui, aujourd'hui que nous sommes venus récupérer, mais comme vous savez toujours, le voleur a pris soin, évidemment, de bien rattacher tout ce qu'on pouvait ici prendre et ramener à la maison. Lui, la bouche. Je suis là, bon. Tu peux aller. Voilà. Donc, je suis venu récupérer justement ce qui nous appartient. Et c'est là qu'on appelle simplement ces principes du Lemba. Ils ont pillé, ils ont volé, ils ont humilié pour nous empêcher justement d'être nous-mêmes, pour nous empêcher d'aller là où il est faux. Alors je ramène l'homme par excellence, Lemba, lui qui est le gardien de toutes les écoles initiatiques, le gardien du patriotisme, le gardien de toutes les richesses, le gardien de l'Afrique vraie, le gardien de notre âme, les gardiens de notre âme, les gardiens de tout ce qui est à nous et de tout ce qui devait constituer notre religion, de tout ce qui devait constituer notre spiritualité, les gardiens de
la société et les sociétés africaines. C'est lui qui était les gardiens de la paix, les gardiens de la sécurité, les gardiens de notre âme. Voilà, mes chers compatriotes, nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Nous sommes venus récupérer ce qui nous a été volé. Nous sommes venus récupérer ce qui nous a été pris. Nous sommes venus récupérer notre bien, ce qui constituait le symbole par excellence, notamment du pouvoir religieux, spirituel, politique de l'Afrique. Ces principes connus dans le col initiatique de l'Emba et dont on connaît depuis le Zimbabwe, depuis le Yémen, depuis les territoires actuels de Grand Lac, depuis les territoires même chez les Ivoiriens qu'on appelle les Yakuba. Dans tous ces territoires, mes chers compatriotes, il y a évidemment ce symbole du Lemba, notre patrimoine, notre bien, notre richesse. Et c'est ça que je suis venu récupérer. Je suis venu récupérer ce qu'ils ont pris pendant 8 siècles. Ils ont volé, ils ont détruit, ils ont pillé, ils ont humilié femmes, enfants, jeunes et vieux. Et aujourd'hui, pour rentrer dans ces musées, nous avons payé 15 euros. 15 euros, comme vous le savez, pour nous tous. Et vous voyez ce que ça fait comme somme. Pendant des siècles, pendant des décennies, ils se sont plus enrichis avec notre argent, nos œuvres, qui, du moins, ont permis à ces nations européennes et occidentales de s'enrichir, de faire de l'argent, de gagner ce qui ne leur appartenait pas. Voilà pourquoi nous sommes venus récupérer ce symbole de Lemba, le gardien de la paix, parce que nous voulons que la paix revienne dans notre chère et mère patrie d'Afrique. Nos ancêtres savaient, l'environnement africain n'est pas l'environnement européen. Dans notre environnement, il y a des choses qu'il faut faire. L'eau n'est pas la forêt. La forêt n'est pas l'eau. La forêt n'est pas l'eau. L'eau n'est pas la forêt. Et dans notre environnement, on savait ce qu'il fallait faire. On savait comment faire pour garder la paix. On savait comment faire pour maintenir la cohésion, l'harmonie dans la société. Et toutes ces œuvres, toutes ces entités qui nous permettaient justement de faire la cohésion, de garder la cohésion, d'être en paix, ils l'ont volé, ils l'ont pillé, ils l'ont pris. Et nous sommes venus le récupérer. Symbole du pouvoir religieux, symbole du pouvoir, symbole du pouvoir religieux, symbole du pouvoir politique, symbole du pouvoir spirituel. Ces grands initiés de Lemba étaient à lui seul les défenseurs de nos terres, les défenseurs de nos richesses, le défenseur de notre peuple, le défenseur de notre patrimoine. Et je suis venu aujourd'hui le récupérer. Je suis venu aujourd'hui le récupérer. Ramener à la maison ce qui nous appartient. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. Qu'ils ont volé, qu'ils ont pillé. Et qui, par le prix de 15 euros, a permis de faire enrichir l'Occident. A permis de faire enrichir le royaume de la Hollande. Parce que c'est 15 euros que nous avons payé pour rentrer ici. 15 euros. Et je suis venu récupérer ce qui nous appartient. Avance. Je suis venu récupérer le bien qui nous appartient. Ce qui a été volé. Vas-y vite. Je suis venu récupérer ce qui nous a été volé. Et on le ramène à la maison. On est devant et puis devant. Nous sommes venus récupérer ce qui nous a été pris. Voilà l'heure pour nous de ramener à la maison ce qui nous appartient. Cet homme, symbole du Lemba. Il a été, si l'on veut, symbole du Lemba. Il a été déporté sur ces terres. Il a été amené sur ces terres. Il a été ramené sur ces terres. Et nous voici venir le récupérer. Nous sommes venus le récupérer. Nous sommes venus récupérer ce qui nous appartenait. Voilà l'heure pour nous de ramener à la maison ce qu'ils nous ont pris injustement. Notre richesse, notre patrimoine. C'est ça qui nous appartient. Et nous sommes venus le récupérer. Nous sommes venus le récupérer. Nina, va devant. Prends-moi de loin. Avance. Ça appartient. Nous rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison avec ce qui nous a été pris. Pillé. Donc nous sommes aux Pays-Bas, en Hollande. Où nous sommes venus récupérer ce qui nous a poussé. Injustement. Faites vite les gars, faites vite, on y va. Oui.
symbole de la quiétude, symbole de la pouvoir spirituel, du pouvoir politique, symbole de la paix et de la dignité. Si nous voulons ramener la paix dans notre chère et mère patrie, l'Afrique, il connaissait notre environnement. Il connaissait notre histoire dans toutes les diapasons possibles. Alors, mes chers compatriotes, on rentre à la maison. On pourra pas bouger là. J'ai tant de partout. J'arrive pas à la fermer. Voilà. Continue à parler, ça tourne. Nous sommes venus récupérer notre bien et nous allons à la maison. Donc nous rentrons. Nous allons déposer ça à la maison chez nous. L'heure est venue pour nous maintenant de récupérer ce qui nous a été pris et ce qui nous a été volé. Voici l'homme Lemba qui est venu aujourd'hui et qui va repartir à la maison. Lui qu'on a bloqué pour justement imposer à l'Afrique la guerre. Il n'y a pas de marteau, non? Non, c'est mort. Il fallait courir, l'un de vous empêcher de mettre les cadenas. On est déjà sorti là. Essaye d'aller ouvrir. Non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. T'es sûr? On va traverser. Donc ils ont mis la barrière, la voiture ne peut pas sortir. La voiture ne peut pas sortir, alors je passe à pied. Qui partent. Oui, qui partent. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. Tranquillement, humblement, ils ont mis des barrières. Donc on leur laisse la voiture et on part à pied. Cet homme de paix, de quiétude, l'homme Lemba. C'est lui qu'on ramène à la maison. Donc on le ramène à la maison pour ramener la paix dans notre chère et mère patrie, l'Afrique. Pour que règne la quiétude, que les armées étrangères retournent chez eux. Que la paix revienne en Afrique. De l'Afrique qu'ils ont détruit, qu'ils ont fait périr. Et pour ressusciter cette âme, raison pourquoi nous qui date des siècles, si ce n'est des millénaires, qu'ils ont détruit, qu'ils ont volé à travers des crimes odieux, femmes et enfants furent massacrés et assassinés. On est venu récupérer ce qui nous appartient. On répare avec. Nous avons pris ce qui nous appartient et on rentre à la maison avec. Donc nous sommes en Hollande, aux Pays-Bas, dans ce musée où toutes les œuvres de notre mère patrie, l'Afrique, ont été pillées.
Et ça, j'amène à la maison. J'amène en tant que l'un de gardiens aussi de la paix et de la sécurité dans tout l'espace de notre mère patrie, l'Afrique. Et du Congo. Congo lumière, Congo paix, Congo création, Congo grandeur infinie. Le grand initié de Lemba rentre chez lui. C'est la récupération de ce qui nous a été pris et volé. Nous le ramenons à la maison. Vive l'Afrique libre! L'Afrique libre, wake up! Debout! Faites un auto-stop là, de m'évacuer. Je sais pas pourquoi j'ai garé la voiture. Il fallait garer la voiture ici à l'extérieur. On y va. Juste réfléchir. Ouais, vas-y. Ils sont là, mettez-vous là. Ils sont là, la police dedans. Police, stand live. Oui. Stand. Explique-lui. Doucement.